Bonsoir à tous, on est toujours à Saint-Chabré, donc Minitour-Creusois, la quatrième étape de l'année de ce 6e Minitour. Je suis avec monsieur le maire, Patrice Morancé, et aussi accessoirement quand même vice-président du conseil départemental, en charge de la famille, c'est pas rien non plus. Alors Patrice Morancé, très heureux d'être sur vos terres, très beau paysage, très agréable, on est vraiment dans notre Creuse, on sait pourquoi on vient faire du vélo. Est-ce que ça fait plaisir à la municipalité de recevoir une telle épreuve? Bien sûr, un grand plaisir et vous en conviendrez, une fidélité hein, au Minitour-Creusois, puisque nous sommes dans les premières communes à avoir participé à cette très belle épreuve qui ne fait que se développer. Aujourd'hui, plus de 120 participants. C'est extraordinaire et vraiment, c'est une, pour une commune de 350 habitants, c'est une mobilisation générale de l'ensemble des bénévoles, du conseil municipal, des membres du foyer rural, pour bien sûr remplir les fonctions de signaleur, de participer à toute l'organisation aux côtés du comité départemental et du club organisateur, le CC Mainsa et Vaux, avec qui nous travaillons avec plaisir. D'accord. Alors monsieur le maire, ben merci, on est toujours content d'être là. L'année dernière c'était la finale, c'était le grand show, c'était magnifique, un accueil splendide, pour ceux qui étaient là ils peuvent le dire, ils peuvent en témoigner. Alors moi j'entends les jeunes, notamment le petit Clément Chavanel qui vient de gagner l'étape du jour, il me dit c'était vraiment dur, mais le circuit, ça se prépare. Est-ce que les routes sont entretenues régulièrement? Parce que ça ne se fait pas le lundi pour le mardi, pour qu'ils puissent courir nos jeunes et sécuriser. Oui, alors les routes sont entretenues régulièrement. Et là, nous avons fait procéder au fauchage des accotements en début de semaine. Le balayage de l'ensemble des routes communales et départementales a été réalisé dans la semaine et encore finalisé vendredi, hier, pour assurer la meilleure sécurité possible à tous nos jeunes participants. Merci monsieur le maire. Je vous ai fait un petit clin d'œil parce que souvent notre population se dit, moi je paye des impôts. Et bien voyez les impôts, ils partent pas tous je ne sais où, il y en a qui sont vraiment utilisés à bon escient. Et pour une compétition comme aujourd'hui, une municipalité et des acteurs sociaux se sont intégrés au projet et ont aidé, vous voyez, les employés communaux, la municipalité, les bénévoles, tout ça. Et ça permet aussi de maintenir un paysage comme on a et un entretien de voirie. Et ça c'est important. Merci monsieur le maire, merci. Merci à vous et bien sûr toujours très heureux de vous accueillir.